Au cœur de Louveciennes, un parc de 23 hectares entouré de bois abrite un projet architectural monumental. La construction d'un château de style 17e. À quelques pas de l'ancien château de Marly, devenu musée promenade, le projet, baptisé Château Louis XIV, a investi un territoire riche d'histoire. Au début du XVIIIe siècle, Louis XIV y fait installer le campement des compagnies des régiments du roi, chargées de participer aux travaux du château de Marly. Celles-ci sont remplacées quelques années plus tard par les gardes suisses. Mais ce n'est qu'après la Révolution que les propriétaires qui se succèdent y installent des bâtiments, plusieurs fois détruits et reconstruits, jusqu'à la fin du XXe siècle. En 2008, y débute un extraordinaire chantier à la hauteur des ambitions du roi Soleil. Les références à l'architecture 17e sont partout présentes. Ces citations ont nécessité un travail complet d'étude des styles, des mots des natures et des éléments décoratifs. Le bâtiment, par ses proportions et son ordonnancement, rappelle le château de Vaux-le-Vicomte qui avait tant fasciné Louis XIV. Le jardin à la française intègre plusieurs pièces d'eau, dont l'éblouissante fontaine d'Apollon, sculptée dans la pierre et dorée à la feuille. À l'intérieur, les marbres côtoient les boiseries en blanc et or. Plusieurs plafonds peints, dont l'incroyable allégorie recouvrant la coupole du grand salon, rendent hommage à la grande peinture décorative. Tous ces travaux sont l'œuvre des meilleurs artisans français, venant d'entreprises souvent labellisées patrimoine vivant. Les matériaux, eux aussi, sont souvent français et travaillés dans la plus pure tradition. Tailleurs de pierre à l'ancienne, charpentiers, couvreurs, doreurs, staffeurs, ornementistes, bronziers ou horlogers se sont relayés pendant 3 ans sur le chantier. Les dorures intérieures et les cuirs gaufrés de Cordoue ont ainsi été confiés à la maison Mériguet-Carrère. Les dorures extérieures à Goar, les lustres et appliques à Delisle, la taille des pierres, les sculptures et les parements à Degaine et Trois-des-Pierres, le marbre à Ranigny. L'ampleur du projet leur a permis de former de nombreux apprentis et de perpétuer ainsi leur savoir-faire. Le château Louis XIV est une commande privée, destinée à être habitée. Il a mobilisé plus de 120 ouvriers par jour pendant 3 ans. Aux côtés des artisans, des techniciens se sont chargés des aspects contemporains. Car l'enveloppe grand siècle cache en son sein tout le confort moderne. Et celui-ci, parfaitement intégré, sait se faire oublier. Véritable hommage au roi Soleil et au génie des artisans français, le château Louis XIV est une prouesse technique qui allie harmonieusement la tradition la plus pure à la technologie d'aujourd'hui.